Bonjour et bienvenue pour une vidéo. Là, j'ai acheté de petites lames de scie. D'un côté, c'est de scie à métaux, de l'autre côté, c'est de scie pour couper du bois. Mais comme je n'ai pas l'arc, l'entourage pour pouvoir couper, j'ai récupéré des petits bois de chêne, c'était des vieilles portes. Et je vais essayer de faire un petit truc comme ça en bois là. Des scies comme ça. Voilà. Préparer tout ça pour voir si j'arrive à faire ça Voilà, comme ça. les scies sont finies. J'en avais deux lames. J'ai laissé une avec les gros dents vers le bas et l'autre les petites dents. Quand j'ai besoin pour faire une coupe plus fine et que soit vraiment juste, je prends la lame avec des petites dents. Et l'autre, voilà, je prends avec les gros dents, hein, pour faire des autres coupes. Voilà, ils sont là, les petites. Les petits scies. Voilà. Du chêne récupéré. Là, j'ai mis de l'huile de lin partout. Voilà. Là, ils sont bien tendus. Là, je vais enlever un peu de pression, comme je ne vais pas travailler avec. Voilà, je la laisse comme ça, sans. Seulement avec un peu de pression, c'est tout. Voilà, comme ça. Je la laisse comme ça. Et c'est bon. Celui-là, pareil, elle est bien tendue. Je vais enlever de la pression. Voilà. C'est bon. Hop. Comme ça, il ne force pas dans le bois. Et quand j'aurai besoin pour travailler, je le prendrai. Hop. Et on donne un peu de pression et c'est bon. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. D'ici, fais maison avec le bois de récupération. Allez, à la prochaine.